Hugo Manos, en couple avec Laurent Ruquier depuis 2018, se confie sur son histoire avec l'animateur de France 2. L'occasion d'évoquer aussi son projet d'avoir un enfant. Depuis 2018, Laurent Ruquier et Hugo Manos filent le parfait amour. Si le couple a laissé planer le doute sur la nature de leur relation pendant quelque temps, si est en février 2022, il y a tout juste un an, que leur histoire d'amour a été officialisée, sur le plateau de TPMP People. Hugo Manos s'en était chargé face à Mathieu Delormeau et ses chroniqueurs. Ce n'est pas vraiment une exclue. Ça fait 4 ans que nous vivons ensemble. Je suis très heureux, révélait-il. Avant de s'afficher au bras du présentateur phare de France Télévisions, notamment sur TikTok, Hugo Manos avait participé, en tant que parrain, à l'émission de télé-réalité Les Vacances des Anges 2, Bienvenue chez les Grecs, en remplacement de Fabrice Sopogliane. L'amour n'a pas d'âge. Laurent Ruquier s'était confié il y a quelques semaines sur sa relation avec Hugo Manos, notamment sur leur différence d'âge. Il a 34 ans, ce n'est pas un gamin non plus. Et puis je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge. Un avis partagé par son compagnon. Je vous assure qu'Hugo pense pareil. Je crois que si est d'abord une histoire de rencontre et puis j'ai toujours été attiré par la beauté, a-t-il poursuivi. La beauté rime-t-elle forcément avec la jeunesse selon lui? Mais non, regardez, moi on ne m'a jamais autant dit que j'étais beau. Donc Hugo a eu de la chance de me rencontrer maintenant plutôt qu'à 30 ans, avait-il ajouté à nos confrères de Voici. Ce 10 février, si est dans les colonnes de Public que le beau brun qui a délaissé ses cheveux longs s'exprime. Le chroniqueur de TPMP People qu'on n'a pas vu depuis quelque temps avait-il peur de sa différence d'âge avec Laurent Ruquier? Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge non car nos premiers échanges sur Insta n'ont pas été basés sur une relation amoureuse, il m'a posé des questions sur l'électrostimulation. Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage. Si est peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose. Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge, a estimé Hugo Manos. Quant à son projet d'avoir des enfants, ce n'est visiblement plus à l'ordre du jour, pour le moment en tout cas. Non. Pour avoir un enfant, il faut se sentir accompli, et je suis encore en recherche de l'activité qui va me galvaniser. Ce n'est pas le bon moment pour un projet aussi important, a-t-il conclu. À lire aussi un bonheur, Laurent Ruquier et Hugo Manos annoncent l'arrivée d'un nouveau membre dans leur famille, avec une adorable photo.